temps de porter arme. À ma place, marche. Arrêtez la ville de Bandung. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, représentant du gouverneur des provinces, Monsieur le procureur général, Monsieur le commissaire provincial de la police d'Ikwilu, Monsieur le membre du comité de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Bandung, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Excellence, le commissariat provincial de la PNC Kwilu a l'insigne honneur de vous recevoir pour la énième fois dans l'enceinte de notre bâtiment administratif. Vous saluez à l'occasion, la rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une communication que le commissariat provincial voudrait brève et ainsi présenter à l'opinion, tant provinciale que nationale, les résultats de l'opération de traque initiée depuis le jeudi 1er septembre 2022 en vue de rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville de Bandung. Il est à noter, et ce qui est vrai, que plusieurs actes de banditisme urbain, vandalisme et intolérance perpétrés sur la population dans cette ville sont observables au jour, et ceci ne nécessite pas de plaignants et autres témoins. Il est vrai que la police ne peut pas être à l'affût de ces actes ou crimes pendant qu'ils se commettent. Attraper le criminel, la mettre dans les sacs, dévie un exercice de chasse-poursuite qui n'est pas aisé dans une ville où votre police n'a pas la logistique, les moyens appropriés. En effet, les ennemis de la paix et de la concorde, surtout ceux qui sont contre le développement de cette ville, en particulier et de la province en général, s'offrent le luxe de tenir son image. La recrudescence de l'insécurité occasionnée par quelques jeunes désœuvrés, un civique communément appelé Kuluna, y sème le désordre et la désolation au sein de cette population qui lutte inlassablement pour sortir de l'ornière de la pauvreté. Excellence, personne ou encore moins les réseaux sociaux n'ont ménagé la police dans leur prise de position au regard du regain de criminalité dans la ville. Loin de nous l'idée d'avancer ces arguments de défense. Nous pensons que la police taxée de léthargie, de mollesse, de complice, voire incapable d'éradiquer les phénomènes Kuluna dans la ville de Bandung. C'est exercer dans le cadre de cette opération de poursuivre avec professionnalisme
Tukuluna, membre de ce groupe. C'est pour cela, pour permettre à la population de la ville de Bandundu de vaguer librement à ses occupations. Les commissaires divisionnaires adjoints Kanold, Kamana ou Wimana, commissaire provincial de la police nationale d'Ikwilu, a organisé une opération de traque de jeunes civiques sans appui financier de tierces personnes. Et nous avons réussi à arrêter ces jeunes civiques Kuluna que nous vous présentons aujourd'hui. À savoir, ces jeunes ont participé de près ou de loin aux actes d'incendie de maisons, d'extorsion des biens, des vols, d'escroquerie, etc. Que nous avons tout décrié et que les droits qualifiés d'infraction essaient à travers les quartiers de la ville de Bandundu. Il s'agit de Monsieur Moke Willy, alias Manajar, cadre de la base Libende du quartier Office, dans la commune de Basoko, dont le leader est M. Jansi Mukuna, qui a été plusieurs fois arrêté et transféré au parquet. Malheureusement, cette fois-ci, il nous a échappé. M. Moke Willy, alias Manaja, que voici arrêté pour avoir participé à l'incursion de leur base au quartier Malibu, laquelle avait occasionné la mort de son collègue Falcao, où ses instruments ont été récupérés par la PNC. Tabuku Kitambala Manda, adepte de M. Piloli Mubedi, condamné, mais se trouvant en liberté pour le moment. Ce monsieur est adepte aussi de M. Michael, alias Ekeko, qui a maintenant pris le commandement de la base Jamaïque dans le quartier Mapuya, commune de Dissas. M. Christian Etano, cadre de la base missionnaire, dirigé par M. Gloria Ambianco, alias Serpent. Ce monsieur a été surpris hier avec cette machette au niveau de la cimetière de l'Ancelé à Bandundu. Monsieur Tayeye Kataps, surpris en flagrant délit, en train d'estorquer les biens des conducteurs des motos, comme il a appelé Wewa, au niveau du quartier Ibole. Monsieur Arthur Madiba, adepte de M. Pacho, anti-rebelle et gosi de la base Cara Rouge du quartier Caravane, nous l'avions déjà arrêté et transféré au parquet. Condamné à 18 ans de servitude pénale dans la prison centrale de Bandundu, mais il est en liberté il y a 6 mois passés, après sa condamnation. Monsieur Rabi Osomba, adepte de la même base, Cara Rouge. Monsieur Chad Mbwini, adepte de la même base. Monsieur Ngwidi Nono, Ngwidi Nono, adepte de la base Bazonkion. Ce monsieur, parmi leurs leaders, ils sont toujours au niveau du pont Lumbwe, en montant vers Rond-Point Lipassa. C'est par là qu'ils stockent la population. Monsieur Elenge Mfumu Plamedi,
cadre de la base Bazonkion. Toujours au niveau du pont Lumbwe, dans les heures tardives, vous n'avez pas le temps de vous défendre. Monsieur Jean-Cy Matobo, adepte de la base américaine située au quartier Ebiko, dirigée par monsieur héritier Kamai, déjà arrêté et transféré au parquet. Monsieur Herman Boliko, de la même base, Amérique, du quartier Ebiko. Monsieur Fédé Kikala Moke, adepte de la base arabe, ils opèrent derrière le collège qui ouvre. Nos élèves qui partent à l'école sont en difficulté. Sur plainte de l'Institut Collège, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, représentant des gouverneurs des provinces, Monsieur le procureur général, Monsieur le commissaire provincial d'Ikwilu, Monsieur les membres du comité de sécurité, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Ainsi, pour clore cette présentation, nous voudrions bien demander de vous impliquer personnellement en tant que tuteur de l'action de la police dans cette province. Et qu'il est important de vous rappeler vos obligations politiques et administratives, tant si c'est qu'il faut pour atteindre le niveau de sécurité requis que sur le degré de la paix que vous souhaitez pour votre population. Je vous remercie. À remercier sincèrement le commissaire provincial de la police pour le travail qu'il est en train d'abattre malgré les difficultés des moyens que nous avons au niveau de la province. Nous avons toujours eu beaucoup d'entretiens en ce qui concerne la sécurité au niveau de la province. Nous avons décidé de manager entre la répression et la prévention. Nous avons privilégié la prévention, mais la répression s'avère nécessaire. Parce que depuis un certain temps, il y a un regain de criminalité dans la ville. Je crois que vous avez tous suivi ce que le commandant a présenté comme situation. Il s'agit effectivement des criminels connus, identifiés, parfois même protégés par la même population qui est victime de leurs actes. Je crois que vous l'avez suivi, la police ne ménagera aucun effort pour traquer ces inciviques. Ils vont être mis à la disposition de la justice pour que la justice fasse son travail et nous allons suivre personnellement leur dossier judiciaire pour qu'il n'y ait pas de laisser aller. Je félicite le commissaire provincial pour les efforts fournis et je promets mon soutien personnel pour le travail que la police est en train de faire dans la province et dans la ville de Bandundu. Je vais demander personnellement au maire de la ville qui est à mes côtés et à la police ville de se mobiliser comme un seul homme pour traquer tous les bandits, tous ceux qui troublent l'ordre public. Nous sommes dans une situation qui est telle que si nous ne maîtrisons pas la situation sécuritaire au niveau de notre province, au niveau de notre ville, tout ce qui se passe dans la province voisine et sœur, dans le Maïndombe, peut encore perturber les mécanismes de sécurisation que nous avons mis en place. Donc, monsieur le maire, qui est à côté de moi, qui sera accompagné de son commandant ville, appuyé bien sûr par le commandement de la police provinciale, ne ménageront aucun effort pour que la sécurité des personnes et de leurs biens soit leur priorité. Je vous remercie. Thank you.
Rabbi Osumba.
le remarquez, la population ne demande qu'une seule chose, la condamnation des transports, des transferts plutôt de ces jeunes terroristes à la prison d'Angenga ou de Boulou. Parce que trop, c'est trop dans la ville de Bangui. Alors, la police demande ceci. Place aux Anandab. Ce que vous avez besoin de moi, c'est Kouluna. Pour Bangate, Benga Bangona numéro un connu, autre chose, c'est. Comme la baroque a comme on connaît on a nanda pour la baroque la police va s'en aller par où y a vraiment merci et là on va lancer là et comme il cartier nous au côté on se dit bah le barrio barrio Les bottes de ce côté, les frontières de ce côté, les deux mille à la banque, 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 les deux mille à la ban